à la bonté de Dieu. Amen. Dans la Bible, dans Lamentations, au chapitre 3, verset 22, il est dit: ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Moi, je le crois. Je crois cette parole qui nous dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Ça veut dire que Dieu a encore des bontés pour toi ce matin. Alléluia. Et on va se saisir des bontés de Dieu ce matin. Amen. L'Éternel est bon. Alléluia. Amen. Et on veut élever nos mains vers lui, élever nos voix vers lui. Alléluia. Parce qu'il est toujours fidèle. Tu es tellement fidèle. Nous élevons des mains pures
Dieu est toujours le même. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, il t'accueille. Ce matin, il t'accueille dans ses bras. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu, mais trouvé par sa grâce, son amour. Il m'a racheté à la croix grâce à son bras. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, m'a détruit. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis.
choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Oui, tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui. Et une dernière fois, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. Merci Seigneur d'avoir fait de nous tes enfants. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes, ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je devant moi. Où ton sang coula pour moi, aucun amour
je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer à la croix. Sans couleur pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Alléluia, Seigneur, on vient se prosterner devant la croix. Alléluia. Alléluia, et on vient pour couronner le roi des rois. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends ta place. Proclame le roi. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. La présence de Dieu est là.
Là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est présent. Oh, qui peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Il est présent. Il est présent. Son esprit est là ce matin. Son esprit est là ce matin. À te convaincre, à toucher ta vie, à te dire quelque chose, à te montrer la voie que tu dois suivre, à te corriger, à t'instruire, à te façonner. Alléluia. Viens Jésus, prends la place du roi. Pour la Sainte Seine. Je veux juste dire ça ce matin pendant que les frères s'approchent. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te séparer de l'amour de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la vie? Serait-ce la mort? Serait-ce les anges? Serait-ce les hommes? Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Toi, tu peux lâcher Dieu, mais lui, il ne t'abandonnera jamais. Alors si quelqu'un vraiment comprend ce matin, qui dit Amen fort et qu'il acclame son Dieu. J'entends cette phrase dans ma tête. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, viens vers ton Dieu. Fais connaître tes besoins à Dieu. Mais sache qu'avant que tu viennes vers ton Dieu le sait déjà ce que tu as besoin. Et parce que je suis bon,
parce que je suis ton Dieu qui t'aime et pour l'amour de moi, j'ouvrirai le chemin de porte devant toi. Ne t'ai-je pas dit, tu marcheras, dit le Seigneur, tu marcheras sur l'esprit, tu fouleras le lionceau. Oui, tu auras des obstacles sur ta vie, mais par mon esprit, tu avanceras. Moi qui ai déjà gagné la bataille, le combat, la guerre, t'assure la victoire. Alors ne sois pas triste ce matin, mais apprends à te réjouir dans tes difficultés, parce que la victoire est à toi, dit le Seigneur. Le combat, oui, tu combats, oui, tu combats, oui, tu combats, mais la victoire est à toi, dit le Seigneur. Alors laisse-moi travailler encore dans ta vie, laisse-moi travailler encore dans ton cœur, laisse-moi travailler encore dans tes pensées, afin que tes pensées deviennent mes pensées, afin que mes pensées deviennent tes pensées, dit le Seigneur. Alléluia! Oh, quelqu'un acclame Jésus ce matin! Je vais laisser les frères distribuer le pain et le vin. J'ai à cœur ce matin qu'on le prenne tous ensemble. Donc les frères vont passer, distribuer le pain et le vin, garder le pain et le vin, et on va prendre tous ensemble après. Alléluia. Et on va prendre un chant pendant que les frères distribuent. Alléluia. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau. L'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Troisième jour. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux de notre Seigneur.
juste, je vais demander aux frères si vous pouvez juste venir distribuer aux musiciens le pain et le vin, comme ça on prend tous ensemble. Amen. Le Seigneur te dit, je suis toujours le même, éternellement, et je ne change pas. Et le Seigneur te dit, tu es encore bouleversé, tu as encore des problèmes, et le Seigneur te dit, je t'ai réservé une place, parce que les places que tu as perdues, le Seigneur va t'en donner une meilleure place. Et fais confiance parce que j'ai aucune ombre de variation et ce que je dis se réalise si tu le crois dans ton cœur. Alors place ces choses dans ton cœur, garde-les précieusement et au moment voulu, tu verras combien je vais accomplir ma gloire, combien elle te sera puissante et combien tu verras vraiment que je suis le même toujours, aujourd'hui et éternellement. J'en fais serment, te dit le Seigneur qui t'aime. Le Seigneur te dit ce matin, tu t'es mise à genoux et tu lui as dit pourquoi j'ai l'impression de vivre la même vie. À chaque instant, je suis mal, je me sens mal. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il a entendu ton cri d'appel et il est là, il t'ouvre ses bras, il t'a préparé un plan pour ta vie et en son temps, il te donnera ce qu'il te faudra. Mais il faut que tu te tiennes sur le chemin qu'il a préparé, que tu cries à lui, que tu l'appelles. Et le Seigneur, il te dit qu'il t'entend, il est là, il est ton secours. J'ai l'image d'une cabine, comme d'un téléphérique, entre deux montagnes. Et cette cabine est reliée à un câble. Cette cabine est tournoyée dans tous les sens, tant l'orage et la tempête font rage sur cette cabine. Et cette cabine, c'est toi. C'est toi ce matin. Tu es criblé par l'ennemi. Tu pleures, tu souffres. La crainte, le doute, l'angoisse est là dans ton cœur. Mais sache que moi, l'Éternel, jamais je ne permettrai que ce câble entre toi et moi soit rompu. Jamais je ne permettrai à l'ennemi qui te précipite pour te faire faillir. Mais mon enfant, je te dis ce matin de regarder à ma parole. Tu as mes promesses et cela va t'enrichir, cela va t'encourager. Je ne permets pas à l'ennemi de te toucher. Il ne peut que survoler sur toi, mais il ne peut demeurer sur toi. Alors mon enfant, réfère-toi à ma parole, parce que ma parole est pour toi plein de promesses et de bénédictions. Il a suffi à Jésus de toucher la main de la mère de Pierre qui était alitée en proie à une forte fièvre pour que celle-ci soit guérie. Elle s'est levée, elle a servi Jésus. Et de même, ce chef qui s'est précipité au devant de Jésus parce qu'on venait de lui annoncer que sa fille est morte. Et il connaissait la puissance qui était dans les mains de Jésus parce qu'il lui a dit « Viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Et le Seigneur s'est rendu au chevet de sa fille et il l'a saisie par la main. Elle s'est levée. Oui, sa puissance de vie a été transmise à ce corps qui était déjà mort. Oui, le Seigneur Jésus est vivant, il est puissant. Et il y a aussi cet homme à la main sèche. Le Seigneur, lui, ne l'a pas touché. Et Jésus te parle ce matin. Lui, le Seigneur ne l'a pas touché, il lui a dit, il lui a ordonné, étends ta main. Et cet homme n'a pas dit en lui-même, non, je ne peux pas, ma main
est desséchée, elle est recroquevillée, paralysée. Non, par un acte de foi extraordinaire, il a étendu sa main et sa main a été guérie. Elle est redevenue saine comme l'autre. Et le Seigneur te parle ce matin, il te dit, c'est ce que j'attends de toi, mon enfant. Tu attends que je te touche encore et encore. Mais ne vois-tu pas que ma main est sur toi ? Je te couvre jour et nuit de l'ombre de ma main. Je te couvre de ma puissance. Ce que j'attends de toi maintenant, c'est que tu étends ta main à ton tour. C'est que tu l'étends dans un acte de foi. Que tu fasses ce que je t'ai demandé il y a bien longtemps déjà. Que tu fasses ce que je t'ai demandé. Ne dis pas je ne peux pas. Ne dis pas c'est au-dessus de mes forces. Agis par la foi. Étends ta main à ton tour. Étends ta main. Je suis avec toi. Je t'aime. Alléluia, le Seigneur me montrait en vision comme cette église, mais vue d'au-dessus. Et je voyais vraiment toute une armée de personnes habillées en blanc. Et le Seigneur me disait, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas conscience qu'ils font partie de cette famille des saints, qui se sentent dans ma présence comme honteux, souillés, ils vivent des difficultés. Il y a des péchés dans leur vie, il y a toutes formes de choses qui font qu'il y a une joie qui a été arrachée de leur cœur, une joie. Lorsqu'ils sont dans ma présence, ils ont perdu cette joie qu'ils avaient au début quand ils ont été sauvés. Et ce matin, le Seigneur te dit qu'il te voit en fait avec ce vêtement blanc. Il te voit pur, il te voit sainte, il te voit saint. Et ce matin, il faut que tu te vois au travers du sang de Jésus-Christ. Il ne faut pas que tu regardes à toi-même, mais sache que quand Dieu te regarde, quand le Père te regarde, il regarde Christ. Alors quand tu t'approches du Père, regarde aussi à Christ. Ne regarde pas à toi, ne regarde pas à tes défauts, à tes échecs, ne regarde pas à tes péchés, mais regarde à Christ, car c'est en regardant à lui que tu seras transformé de gloire en gloire à son image. Et lorsque tu auras pris conscience que ce vêtement blanc, il est acquis, il a été payé, il est sur toi, c'est alors que tu manifesteras pleinement la sainteté du Seigneur. Amen. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Cette coupe qu'on va prendre ensemble, c'est le sang de l'Alliance. Ça représente le sang de l'Alliance que Jésus a versé pour nous. Alléluia. Parce que Dieu le Père a fait alliance avec l'humanité, a fait alliance avec toi, par le sang de Jésus. Alléluia. Et c'est ça qu'on va se remémorer ce matin. Et pour cette raison, parce que c'est une alliance, et parce que c'est une alliance qui a été initiée par Dieu et scellée par le sang de Jésus, alors c'est un acte puissant qu'on va faire. J'aimerais dire, dans cette alliance, il y a la guérison pour toi. Peut-être tu es là ce matin, tu es malade. Crois que alors que tu vas prendre ce vin et ce pain, tu vas pouvoir être guéri. Crois que tu vas pouvoir être libéré. Peut-être tu as des chaînes. Crois que tu vas pouvoir être libéré. Parce que dans l'alliance, il y a également la liberté qui nous est donnée par Jésus-Christ. Alléluia. Donc je vais revenir quelques versets en arrière, Matthieu 26, 26. Et on peut lire, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Amen. Merci Seigneur. » Amen. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ton corps et ton sang que tu as donné pour nous. Alléluia, gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Amen, on va prendre encore un chant. On va prendre encore un chant. Et pendant qu'on prend ce chant, je vais appeler les frères pour faire le service des offrandes. Amen, une fois que les frères ont ramassé tous les gobelets. Amen. Alléluia, on va chanter que le faible dise je suis fort. Peut-être tu te sens faible ce matin. Ben proclame, je suis fort. Alléluia, parce que Christ vit en moi.
le fait dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Que l'aveugle dise, je vois. Car le Seigneur agit. Encore une fois, que le faible. Que le faible. Parmi nous. Alléluia. 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 On peut acclamer encore une fois le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Hosanna. Hosanna à l'agneau. Hosanna. Au roi des rois, Hosanna, car il est ressuscité. Amen. Alléluia. Vous êtes en vacances? Oui, on va dire un peu. Ok. Est-ce que vous êtes en vacances? Un peu? J'espère qu'en esprit, vous n'êtes pas en vacances. On peut être en vacances, on peut travailler, mais en esprit, tu dois toujours être chaud bouillant. Ah là là. Amen, Benny. Amen. Alléluia. Qui peut acclamer encore une fois le Seigneur Jésus-Christ ce matin? Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Prends toute la place, prends toute la place, prends toute la place. Des fois, peut-être souvent ou peut-être trop, je ne sais pas, j'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'on n'acclame pas un homme. Pour moi, j'acclame, je glorifie une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Quand je dis, acclamons le Seigneur Jésus-Christ, tu acclames pas l'homme qui est là, l'homme de Dieu. Non, tu acclames la personne de Jésus-Christ.
Parce qu'à lui seul est la gloire, l'honneur et la puissance. À lui seul. À lui seul. À lui seul. À lui seul. Amen. Est-ce que vous croyez dans... Qui connaît le titre ce matin ? Hallelujah. Merci Henri. La puissance de la parole de Dieu, partie 2. On n'est pas là pour faire un show. Amen. Non. Si je fais un show, reste chez moi. Amen. On est là. On va dire comme ça. On va. Parce que la Bible nous dit comme que nous sommes le sel de la terre. Est-ce que le live, ça va ? Tout va bien ? Oui, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde habite en. Donc, si la lumière du monde habite en nous, on doit être aussi lumière. Amen. Amen. Même si tu vois ta vie qui est ténèbre, même si tu vois ta vie qui, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, je vais te dire que la lumière du monde habite en toi. Vous savez pourquoi on dit « Amen » ? Parce que j'ai entendu ça 250 392 fois. Mais je vais te dire encore une fois, entendre 250 393 fois. Amen ! Parce que Jésus est tellement glorieux qu'aucune parole, aucun homme, aucune puissance dans ce monde, sur la terre, dans le ciel, ne peut déclarer sa grandeur. Ne peut déclarer ça, ne peut expliquer sa magnificence. Parce qu'il est tellement glorieux, tellement extraordinaire, tellement puissant. C'est pour ça que, quand je dis la lumière du monde habite en toi, la lumière du monde habite en toi, c'est réellement il habite en toi. La Bible dit une chose, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que le live va bien ? Ah ben vous, vous avez pas. C'est à quoi que ce soit, vous me faites savoir. Ok, tout va bien. Alléluia. Vous m'entendez bien sur le live? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut couper notre tête ce matin pour simplement prier, pour vaquer à la prière? Seigneur Jésus, merci. Ta parole est la lumière, ta parole est la vie. Ta parole, Seigneur, éclaire nos sentiers. Ta parole, c'est la parole du miracle. Ta parole, c'est la parole qui nous montre la voie qu'on doit suivre. Ta parole brise les rocs. Ta parole, Seigneur, ta parole est la vérité et la vie. Comme toi, tu l'es, Seigneur. Ainsi est ta parole. Ta parole est infiniment grande. Que cette parole, ce matin, touche la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que Bonnie dise Amen ce matin. Hallelujah! Amen! Hallelujah! La puissance de la parole de Dieu, partie 2. Je vais faire juste un petit récap. Qui se rappelle du partie 1 ? Oh là là, 3 ? Qui se rappelle du partie 1 ? Alléluia. Bon, je fais un petit récap vite fait. Jean 10, 34, 36. Alors, je vous encourage à aller voir la partie 1. Amen. Ce n'est pas parce que d'aller voir la vidéo de Navin. Non, rien à voir. D'aller voir la partie 1. Qui peut-être va vous aider aussi pour la partie 2. Amen, ça va tout le monde ? Mathieu, je sens dans mon esprit que Dieu, je t'avais dit une chose un peu long, ça fait un temps de ça. À chaque fois que je te regarde, j'entends cela dans mon esprit. Dieu est en train d'ouvrir une porte financière pour toi. Je crois que je t'avais parlé de ça quelque temps. Et je sens que ce temps est arrivé où Dieu est en train d'ouvrir une porte financière pour toi et ta famille. Je ne sais pas si c'est un autre travail ou quelque chose que ou une promotion, quelque chose, mais ce sera encore meilleur. Ta paye va augmenter. J'entends 500 euros, ce sera donné sur ta paye. Tu me diras. Amen. Amen. 500 euros en tout cas. Tu l'auras, hein ? Pas dans 50 000 ans. Tu vas l'avoir. Qui le croit ? Amen. Amen. Parce que je pense que Dieu veut te bénir. Et Dieu ne t'a pas oublié et Dieu veut te bénir. Tu es un fils du royaume. Jean 10, 34, 36. Allez, on y va. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans la loi, j'ai dit, vous êtes des dieux.
Vous êtes des dieux. Je ne sais pas si c'est majuscule ici, mais c'est petite lettre, normalement. Amen. OK. Si elle est appelée Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et sanctifié, et celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que je dis, je suis le Fils de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu as raconté, Navin? Qu'est-ce que tu as dit? Verset 35. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Au fait, là, les Juifs ont demandé à Jésus s'il était le Fils de Dieu, simplement. Et Jésus va leur répondre, bien sûr. Et là, ils vont lui dire, tu blasphèmes. Amen. Et là, verset 35, il dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Si je vous adresse ce matin simplement, si moi je vous parle, c'est en d'autres mots, je vous adresse. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je ne parle pas à des chaises, je parle à des enfants de Dieu. Amen, tout le monde est d'accord? Donc, cette parole sort de qui? Cette parole vient de qui là? Oh là là, répondez-moi. Oui, je sais, cette parole vient de Dieu. D'accord, ok. Mais qui est en train de parler? C'est Navin. Cette parole qui a été adressée. Cette parole est adressée à qui? À vous. Donc, est-ce que cette parole vient de vous? Cette parole vient de qui? Ben, c'est la parole de Dieu nous a été adressée. Donc, la parole vient de qui? Amen. Donc, on comprend que l'Écriture, la parole est adressée aux enfants de Dieu. Donc, en d'autres mots, cette parole ne peut venir d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, elle vient de Dieu. Et en d'autres mots, il est écrit aussi, et si l'Écriture ne peut être anéantie? Veut dire, l'Écriture, la parole de Dieu demeure éternelle. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Cette parole n'a pas une origine humaine, parce que c'est la parole de Dieu qui nous a été adressée. Cette parole de Dieu qui nous a été adressée. C'est pourquoi le seul livre qui contient une parole vivante, la parole vivante, et toute écriture, je veux dire, du livre est vivant, c'est la Bible. Amen. Navin, tu t'avances de... Ben, c'est une vérité, mon gars. C'est la parole de Dieu qui est vivante. Cette parole s'écrit noir sur blanc, mais cette parole, elle est vivante. Elle est vivante. La parole, en général, c'est un logos. Quand tu le lis, c'est un logos. Mais sous l'onction du Saint-Esprit, sous la présence du Saint-Esprit, une parole, une phrase peut sortir de cette Bible et frapper ton cœur. Est-ce que tout le monde comprend? Et l'auteur de cette parole, c'est la personne de qui? Du Saint-Esprit. C'est vrai que Paul a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Cette parole ne vient pas de Paul, l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Non. Cette parole ne vient pas de lui. Cette parole vient du Saint-Esprit. Donc si cette parole vient de l'auteur qui est le Saint-Esprit, celui qui peut faire venir ou devenir ou agir d'une forme vivante dans ta vie, c'est la personne du C'est lui qui a le pouvoir de faire générer, de faire créer quelque chose dans toi. Comment? À travers sa parole. Est-ce que c'est clair ce matin? La parole de Dieu, elle est éternelle. Je vais aller un peu vite. Dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, c'est écrit dans le psaume 119, le verset 89, tu l'as pas, je pense. « À toujours, ô l'Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, dans l'éternité aussi, on peut le dire. Ta parole subsiste toujours. » Qui peut dire amen à ça? Oh là là! Ta parole subsiste toujours. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus.
Je bénis l'Éternel, je bénis ton saint nom. Merci mon Dieu. Ta parole subsiste toujours. Je veux dire cette parole, au commencement était la parole. Au commencement était là. Et la parole a été faite chair. Qui est la personne de? Et Jésus-Christ est qui? Le Fils de Dieu. Au commencement était la parole. La parole a été faite. Jésus-Christ est qui? La parole, qui a compris, qui l'acclame cette personne. Alléluia. Jésus-Christ est la parole. Veut dire toute cette écriture. Toute cette écriture. D'ailleurs, le Saint-Esprit est venu pour glorifier une personne. Qui? Jésus-Christ. Qui est, en d'autres mots, la parole. Toute cette Bible, toute l'histoire de l'Ancien Testament, que ce soit du Nouveau Testament, glorifie une seule personne, Jésus-Christ. Tu peux me raconter plein de choses, on peut raconter plein de choses, plein d'histoires, mais si tu regardes bien toutes les histoires de la Bible, tout ce qui s'est passé, l'histoire d'Abraham et Isaac, c'est quoi? Le Père et le Fils. Le sacrifice de qui? Jésus-Christ. Oh là là! Toute l'histoire représente et démontre une seule personne. Vous savez, quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, il y a plus de 300 prophéties qui se sont accomplies. Hallelujah! Il reste une centaine pour s'accomplir à sa venue. Donc Jésus-Christ est la parole. Toute l'onction, toute la puissance de la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais Jésus ne fonctionne pas seul. Il fonctionne avec la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen? De Pierre. De Pierre 1, 20, 21. Je vais essayer d'aller vite pour qu'on puisse avoir du temps. Car ce n'est pas, le verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par l'Esprit, le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. C'est porté par le Saint-Esprit. Veut dire, quelqu'un peut me dire maintenant, oui, Navin, ok, d'accord, tu dis que toute la parole est inspirée de Dieu, vient de Dieu. D'ailleurs, le mot inspiré, j'avais dit la dernière fois, est-ce qu'il se rappelle de ça? Breath in. Inspiré. Cet air, l'air que je respire, ne m'appartient pas. Elle t'a été donnée. Tu peux dire que cet air t'appartient? Ce n'est pas écrit ton nom là-dessus. Elle appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a créé l'air, l'oxygène. Quelqu'un peut dire merci? Pas Navin, à Dieu. Amen. Amen. Parce que cet air que tu inspires ne vient pas de toi. C'est pareil comme la parole. C'est inspiré de Dieu. Breath in, cette parole vient. Et après, ces personnes ont écrit. Quelqu'un comprend ce matin? Alléluia. De Pierre 3, 15. Je vais faire partie du verset 16 pour aller plus vite. C'est ce qu'il fait, ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il n'a point difficile à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tendent les sens comme celui des Écritures, des autres Écritures, pour leur propre ruine. En d'autres mots, des fois, il y a des personnes qui basent une doctrine qu'il a vu quelque chose. Tu ne tueras point. Donc, le moustique qui passe à côté, je tue pas. Est-ce que tout le monde comprend? La petite mousse, est-ce que tout le monde comprend? Tu ne tueras point. Il est écrit. Je sais pas moi, s'il y a des petites bêtes qui rentrent chez toi. Non, je ne tuerai rien. Mais si tu ne fais pas ça, tu risques d'avoir une invasion, c'est toi. À l'île Maurice, il y a des cafards. Ah, des cancrés, là. Qui a dit ça? Ceux qui me regardent à l'île Maurice, des cancrés, là. Des fois, il y en a. Hein. N'ayez pas peur, c'est rien du tout. Mais si ça rentre chez toi, dans ta maison, et que tu ne le tues pas, mon Dieu, et que tu dis, tu ne tueras point, mais crois-moi, tu vas passer à côté de la plaque, ta maison sera une maison de cafards.
Quelqu'un comprend ce matin? Et c'est pourquoi que certaines personnes ont utilisé les doctrines de la parole de Dieu, ont créé des doctrines qui sont bizarres. En tout cas, ce que moi je peux, les doctrines bizarres, quand les personnes me parlent, j'aime bien écouter. Si vous me parlez, vous allez voir que je ne parlerai pas tout de suite, je prends un temps avant. La prochaine fois, on va voir si Navine va parler. Non, c'est ma façon de faire. Hein. Souvent, quand je parle avec des personnes qui me montrent que c'est pas que voilà, qui sont spirituelles, j'écoute d'abord. Quelles sont les pensées? Quelles sont? Si c'est une personne que je connais pas, alors je vais écouter cette personne. C'est vrai, frère. On écoute beaucoup. On parle après. Amen. Parce que des fois, et je sais des fois qu'une doctrine, s'il est bizarre, s'il y a quelque chose qui est bizarre. Je le sens spirituellement. Qui comprend ce que je dis? Je le sens. Et des fois, tu te sens pas bien. Qui comprend ce que je dis là? Ah, tu te sens pas bien. Tu te sens quelque chose qui va pas. Et là, en d'autres mots, tu sais que fais attention. Fais attention. Des fois, là, les personnes vont te dire plein de choses à faire. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça pour avoir la bénédiction de l'Éternel. Tu n'as pas assez jeûné. Tu n'as pas assez prié. Tu manques de foi. Tu as trop. Tu es un peu heureux. Fais-le à ma place. Je pense qu'il faut faire ça. Ce n'est pas mauvais d'avoir des conseils. Amen. Ce n'est pas mauvais d'avoir des conseils. C'est bien. D'ailleurs, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Alléluia. Je pense qu'il faut faire ça. Prends du recul. Mets-toi devant Dieu. Sans un réma, n'agis pas. Qui comprend ce que je dis? Ça veut dire, tu peux lire la parole de Dieu, mais sans un réma, que la personne... qui sait que le Saint-Esprit veut nous parler? Le Saint-Esprit veut nous parler. Le problème, c'est que il est trop loin de moi pour que sa voix est trop loin de moi pour que je puisse l'entendre. Non, c'est que moi, j'ai tendance à trop parler. Le moins que tu raisonnes, le moins que tu agis, le moins que toi tu te mouvementes et tu t'agites pour peu de choses. D'ailleurs, Jésus va dire ça, une seule chose est importante. Amen. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Le plus que tu t'agites pas, le plus tu seras disponible. Écoute bien, tu seras disponible pour entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu est toujours disponible à te parler. Je n'ai pas fait des mystiques. Des fois, je n'ai pas créé dans vous. Des fois, beaucoup de personnes, malheureusement, on est dans un temps un peu, les gens deviennent un peu, comment on appelle ça, New Age. Ils sentent tout dans l'air. C'est dangereux. Alléluia. Quand tu parles dans ton couple aussi, si quelque chose ne va pas, ne va pas dans ton couple ou dire, tu sais, la parole de Dieu a dit, tu dois faire ça, tu vois. Qui comprend ce que je dis là? Ah, tu sais, il est écrit, tu vois. Oh, cette personne va t'haïr. Navine, t'es fou? Non, je suis sage là. Ne prends pas la parole pour montrer à quelqu'un, oui, d'accord, ça ne va pas. Va dans ta chambre, va prier. Et celui seul qui peut instruire, peut toucher un cœur, c'est la personne du Saint-Esprit. Paul, Apollos, tout ça, semé, ils ont arrosé. Toi aussi, tu es comme un Paul, Apollos ou qui que ce soit. Tu plantes, tu arroses. Mais ce n'est pas toi qui fais croître, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors n'essaye pas d'être la personne du Saint-Esprit. Soumets-toi d'abord à Dieu. Tu as raison? D'accord, j'ai raison. Tu as raison? Oui, j'ai raison. Tu as raison? Tu as raison. Mais je te dis que tu as tort. Quand tu dis tu as raison, laisse tomber, va à ta chambre, va prier. Amen. Tu ne changeras pas la situation. Seule la personne du Saint-Esprit peut changer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui peut dire amen? Amen. Oh, le temps, ça va tellement vite. Maintenant,
Quelqu'un peut me dire aussi que l'Ancien Testament, il accepte le Nouveau Testament. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée. N'est-ce pas, Navine, qu'un homme a écrit la parole de Dieu? Plus de 40 personnes l'ont écrit. Il y a plus de 66 livres. C'est des hommes qui ont écrit, d'accord? Ce n'est pas un ange qui est descendu du ciel, qui a tout écrit pour l'homme. Navine, donc, il peut avoir de l'homme. Il peut avoir des erreurs. Let me tell you, no. Laisse-moi vous dire, il n'y a pas d'erreur dedans. Le seul livre qui a passé le test of four, qu'on appelle empirical research, qu'on appelle de recherche prouvée, c'est-à-dire théorique, théologique, prouvée par les recherches aussi, aujourd'hui, ce qui se passe en Israël. Laisse-moi vous dire, waouh. J'ai jamais été en Israël, mais je suis beaucoup. Des fois, on me dit tel truc, ça se trouve. Je dis, c'est là-bas. Mais je ne connais pas encore. Je n'ai pas vu de mes yeux, mais je sais. Amen. Une fois, une personne m'a posé la question par rapport à la piscine de Bethesda. Il y avait deux piscines, une en haut, une en bas. Bon. On va parler de ça plus tard. Mais en d'autres mots, je voulais venir sur une autre chose. Peut-être ça m'est échappé. En Israël, justement. Vous savez, les archéologues, les chercheurs, les intellos, aujourd'hui, vous savez comment ils cherchent des choses en Israël? La maison à Jérusalem, la maison de David, comment ils cherchent des choses? Ils prennent la Bible. Maintenant, ils retournent à la Bible. Ah, c'est écrit, si tu te trouves là, ils vont chercher. Et ils trouvent. Dieu est en train de faire remonter des choses maintenant. Oh, qui peut acclamer la personne du Saint-Esprit? Dieu est en train de faire remonter des choses. Le seul livre où 2000 ans après, on parle toujours de ce livre, on retient encore des choses dedans, c'est la Bible, mon gars. Amen. Maintenant, cette parole, est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur dedans? Il y a un professeur en Yémen, c'est les juifs yéménites, comme on appelle, sont super, surtout les professeurs, ils sont, sont forts. Je cherche un, ça fait un moment que je cherche, mais je cherche son nom, parce que dans l'hébreu ancien, dans l'hébreu, il y a tellement de précision dans l'écriture, il y a tellement de précision que les langues, que ce soit français, anglais ou créole, peu importe, on manque de peut-être vocabulaire ou de lettres pour pouvoir dire précisément les choses. Est-ce que tout le monde comprend? Par contre, l'hébreu, il est tellement précis. Waouh! Hallelujah! Navine, tu me dis que le français n'est pas assez précis? C'est une très belle langue. J'aime aussi la langue italienne. Mais pour te dire, le créole aussi j'aime, dit Maurice. Mais pour vous dire que la langue qui est précise vraiment, c'est l'hébraïque, l'hébreu. Et cette personne, ce professeur, il disait qu'il n'y a aucun pour des personnes qui disent « Oh, des fois, il y a des petites nuances en l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. » Est-ce que ça intéresse quelqu'un ce matin? Il y a des petites nuances, des choses qui… Il y a un jeune là, qui fait des études bibliques, là, je le vois. C'est le fils de Roland. Ça va, mon frère? Hein? Alléluia. Et je veux dire que cette dame disait… Il n'y a aucun, en anglais c'est there's no discrepancies. On va dire il n'y a aucune nuance, il n'y a aucune différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On veut dire l'idée, ce qui commence des Genèses, elle continue jusqu'à Apocalypse. Sauf que dans les langues différentes, ça peut être exprimé légèrement différent, mais l'idée est toujours la même. Oh, moi, je sauterais de joie pour dire ça. Hallelujah. La parole de l'Éternel, psaume 12, verset 7. La parole de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur la terre au creuset et cette fois épuré. Qui comprend cela? La parole de l'Éternel sont pures. C'est une parole pure, un argent éprouvé sur la terre au creuset et cette fois épuré. Au fait, dans l'ancien temps, pour purifier de l'argent, ils plaçaient l'argent dans une fournaise.
fait avec de la terre, clé de l'argile. Fait avec de la terre. Et mettez le feu dedans, cette fois, et purée, veut dire tellement fort. Et quand l'argent, elle sort 100% clean, propre, pur. Amen. Alors, j'explique cela. Qu'est-ce que Dieu veut expliquer à travers ça? La terre, l'homme a été fait avec de l'argile. Et qui est référé ici, dans cette fournaise. Qui sait qu'un jour, quand tu vas mourir, tu ne deviendras pas du béton. Tu deviendras de la poussière, de la terre. L'homme est fait de la terre. Quand tu partiras, ton corps viendra la terre, poussière. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ne crois pas que tu, dans certaines théories, dis maintenant, ces hommes, quand ils vont mourir, après, ils deviennent des animaux. Oh, c'est des trucs bizarres, ça. Ne crois pas à ces choses-là. Amen. Alors, la terre représente l'homme. L'argent représente le message. Le feu, c'est la personne du Saint-Esprit. Cette foi épurée représente le ministère du Saint-Esprit. Et quand l'argent, ce message, sort de cet homme, il est 100% pur. C'est pourquoi. Oh là là, est-ce que tout le monde peut dire amen ce matin? Et les sept fois épurés veut dire 100% pur. Quand cette parole sort de cet homme dit, ah! Jean va dire, ah! C'est moi qui ai écrit ça. Oui, c'est toi. Mais c'est celui qui habite en toi qui a écrit cela. Tu deviens un instrument de Dieu. Maintenant, Navin, tout le monde n'est pas Jean. Tout le monde n'est pas l'apôtre Paul. Tout le monde n'est pas Jérémie. Hallelujah. Grand homme de Dieu. Tout le monde, c'est vrai ou pas? Tout le monde n'est pas ces personnes qui ont écrit la Bible. La Bible nous dit qu'il y a une table dans ton cœur. Il dit, écris la parole sur la table de ton cœur. En d'autres mots, Dieu veut faire de toi qui? Quoi? Dieu veut faire de toi un auteur pour ta vie. Ah, je pense que tu n'as pas compris ce que je veux dire. Tu as 66 livres dans la Bible. On est d'accord. Il y a 40 écrivains différents. Mais ta vie, tu es celui seul qui peut écrire sur la table de ton cœur. Donc tu peux devenir un autre Paul. Tu peux devenir un autre Jean. Tu peux devenir un autre Jérémie. Tu ne t'appelleras pas Jérémie, tu ne t'appelleras pas Paul, tu ne t'appelleras pas Pierre. Oh, peut-être tu t'appelleras Navin. Mais Navin, tu peux être quelqu'un qui écrit sur la table de ton cœur et toi-même, tu peux faire de toi un livre de Dieu. Oh, qui comprend ce matin? Tu peux faire de ta vie un instrument du Seigneur où la parole de Dieu habite. Qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? Médite ma parole jour et nuit. Et c'est alors que tu auras, en anglais c'est écrit, good success. En français c'est écrit du succès. En anglais, c'est écrit « good success ». Il y a du succès et il y a « good success ». Des fois, les enfants vont à l'école, s'ils ont un D, ils sont contents. Moi, j'ai eu des A dans le compta, économie, des A et tout. J'ai eu un B, je n'étais pas content dans l'économie. Mais c'était très poussé. Mais j'ai eu un D en français. Ah, c'est pour ça que je suis. C'est pour ça qu'il y a un peu de créole dans mon français. Hallelujah. Mais j'espère que tout le monde comprend. Amen. Hallelujah. Et des fois, il y a des personnes, il a eu un D, it's success. Mais il y a une autre personne qui a eu un B+, il boude. Amen. Il boude. Parce qu'il voulait avoir un A, good success. Qui comprend? J'ai parlé à quelqu'un hier qui m'a dit, ah, j'ai eu 20 sur 20. Je dis, alléluia! Dieu veut faire de toi un champion. Et même si tu as eu un D,
ou un démon. Dieu veut faire de toi un champion. Dieu va prendre des personnes. C'est vrai, Dieu peut s'en servir des personnes académiquement intelligentes. Amen. Il a besoin. Dieu peut s'en servir aussi des gens qui ne sont pas académiquement bons pour faire des merveilles de l'Éternel. Tu sais pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a un livre. Ouvre ton cœur et écris dedans. Deviens l'auteur de ta vie. Et une fois ces paroles deviennent vivantes sur ta vie, tu vas porter des fruits. Oh, je ne vais pas faire trois, série 3, mais je dois absolument finir aujourd'hui. Je ne vais pas être long. Est-ce que ça vous fait du bien ce matin? Je ne vais pas faire un show, je vais vraiment vous... Que cela touche ton cœur. Dieu ne veut pas que des enfants vivent... Il dit pourquoi les princes sont sur la terre, sur la boue, et des esclaves sur des chars, sur des chevals? Dieu ne t'a pas créé pour rester comme ça. Viens tel que tu es, mais ne reste pas comme tu es. Oh là là. Mandarosa. Oh, la parole de Dieu dans Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'effet maintenant de la parole de Dieu sur ta vie, elle produit quoi? La première effet qu'elle produit, c'est la foi. Elle produit de la... Elle produit quoi? De la... De la foi. L'effet de la parole de Dieu, son premier effet sur ta vie, elle produit de la... Je marche trop là, ça va pour vous? Ça va? Ok. Elle produit de la... De la foi. La parole de Dieu produit en toi quelque chose d'extraordinaire. C'est un combustible, ça se dit combustible. C'est comme si tu avais un Ferrari... Et tu mets dans ton Ferrari de l'essence d'avion. Est-ce que tout le monde comprend? Déjà un Ferrari, on me dit de reculer parce que, voilà. Voilà. Déjà un Ferrari, une Ferrari, oh c'est pas grave. Quelle preuve que tu as, c'est une Ferrari. Hallelujah, ah je rigole, non. Des fois, on pose la voiture, je me pose des questions. Pourquoi on dit U? Pourquoi on dit A? C'est masculin et féminin. Mais comment tu sais que c'est féminin? Une Ferrari, c'est une féminin? On ne sait pas. Ah, je sais pas. C'est une voiture. Merci, monsieur le professeur. Alléluia. Alléluia. Non, c'est vrai. Il faut s'améliorer. Amen. Je suis d'accord pour ça. Mais je suis d'accord aussi pour garder l'authenticité. Alléluia. Je ne change rien. Merci, Jésus. Alors, la foi, c'est une combustible. C'est comme si dans ta Ferrari, la Ferrari, tu mets dedans de l'essence d'avion. Déjà, la Ferrari, elle roule vite, mais avec de l'essence d'avion. Oh là là. Tu risques de pulvériser le moteur. Amen. Et là, tu risques en même temps de mettre de l'essence d'avion, mais tu risques de quelque chose de fonctionner en même temps, d'avoir peur au volant. Amen. Ce que je veux te dire, la foi et la peur ne sont pas deux choses qui marchent différemment. Elles peuvent marcher ensemble. Si quelqu'un te dit, oh Navin, tu as trop de la peur, tu ne peux pas avoir de la foi. Oh mon ami, tu te trompes. Tu peux avoir de la peur et tu peux avoir de la foi. Il y a des situations de ta vie, tu vas avoir de la peur pour le faire. Mais la foi qui est en toi, qui est la parole de Dieu, qui est le substance. La foi, c'est le substance de la parole de Dieu. Pour fabriquer la chaise, il y a une substance. C'est peut-être du plastique à la base. Je ne sais pas, peut-être c'est du métal. Est-ce que tout le monde comprend? Il y a une substance. La foi, c'est la substance de base, de pouvoir voir quelque chose au-delà de l'ombrage. Est-ce que tout le monde comprend? De pouvoir voir les choses au-delà de ce que toi-même tu peux imaginer. Amen. La foi, c'est une démonstration extraordinaire.
Amen. C'est une évidence des choses qui n'est pas encore. Comment c'est une évidence ? Dans ton esprit, elle est évidente. Est-ce que quelqu'un comprend ? Dans ton esprit, tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Amen. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. 1 Jean, j'essaie d'aller vite pour pouvoir vous dire ce qu'il faut. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oh là là. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Des fois, tu as l'impression que rien va marcher. Ou c'est une impression. C'est juste une. Mais ne l'imprime pas sur ta vie. C'est une impression. Mais si tu crois dans la présence de Dieu, de ce que tu as reçu là-bas, dans la présence de Dieu, si tu crois dedans, même ton impression que ça ne marchera pas, tu crois quand même, ça va marcher. Oh, je sers un Dieu qui est merveilleux, qui est puissant, qui est glorieux. Amen. Jésus a triomphé du monde. Je ne vais pas être long. Oh là là, je vais terminer. Jésus a triomphé. Est-ce que vous voulez rentrer chez vous? Hein? Est-ce que vous voulez avancer avec le Seigneur encore? Quelqu'un a 5 à 10 minutes à me donner? Avance. Celui qui n'a pas, lève la main. Assis-toi. Ah, il n'y a personne. Non, c'est bon. Merci Seigneur. On va terminer. C'est juste que je veux terminer ça parce que je veux que quelqu'un ce matin, parce que je sais que les gens, qui a besoin ce matin? Moi, j'ai besoin. Franchement, on a besoin. Parce que j'en ai assez de voir des enfants de Dieu qui souffrent de ne pas pouvoir sortir d'un endroit, d'aller à un autre, quand ils ont à côté d'eux un Ferrari rempli avec de l'essence d'avion. Est-ce que tout le monde comprend? Oh, j'ai souffert comme toi. Si tu penses que Navin a toujours un voyage dans un Ferrari, non, non. Ah, peut-être oui. Non. J'ai souffert comme toi. J'ai eu des gros combats comme toi. Peut-être comme toi, ou peut-être plus que toi, ou peut-être tu as plus que moi. Mais je peux te dire que pour moi, c'était des gros combats. C'était tellement dur. Des fois, je me disais, comment je vais m'en sortir? Est-ce que vraiment je vais réussir? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui me parle? Mais la confiance aveugle dans ton Dieu, c'est pas aveugle dans toi, la confiance aveugle dans ton Dieu fait que Dieu se vivifie dans toi. Une personne m'a posé une question hier, mais comment on peut entendre la voix de Dieu? Comment, je suis sûr que j'entends vraiment la voix de Dieu, c'est une bonne question. Très bonne question. J'ai dit à cette personne, c'est pas grave de faire des erreurs. Au début, quand tu vas attendre, tu crois que Dieu te parle. Qui comprend? Tu as l'impression que Dieu te parle et finalement, ce n'était pas lui qui t'a parlé. Ne te condamne pas. Ne te condamne pas. Ne sois pas un mystique de l'autre côté. Bizarre. Des gens qui, comme si tout le temps. Non. Mais si tu fais des erreurs, ça va. Ça ne marche pas, ça va. Au début, pour moi, je ne comprenais pas beaucoup de choses. Je ne savais pas plein de choses. Je ne comprenais pas encore, très jeune. Je faisais des rêves, plusieurs rêves, et. Peut-être ça peut. Des fois, pendant des semaines, je faisais et je ne comprenais pas. J'entendais des choses, j'entendais certaines choses que. Navin, t'es un bizarre? Non, non. Et au fur et à mesure, j'ai appris avec Dieu comment me soumettre à lui. La clé dans tout ça, c'est de te soumettre à lui. Tu vas faire des erreurs, mais Dieu va regarder ton dévouement.
Si tu reconnais tes fautes et tu t'humilies devant Dieu à chaque fois, 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 un jour tu vas entendre quelque chose et tu vas le voir arriver. Parce que vous savez comment ? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et tout ça, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de te parler ce matin comment que la parole de Dieu puisse devenir réma, une puissance dans ta vie. C'est ça la foi. C'est simplement comment tu te tais, comment tu te calmes, comment tu résistes à toi-même et comment tu fais des erreurs et tu as dit que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a pas parlé. Et tu t'humilies encore, tu t'humilies et un jour arrivera que tu vas commencer à entendre des choses et tu vas le voir arriver devant tes yeux. Parce que tu sais pourquoi ? La confiance de Dieu est donnée par la persévérance. La confiance de Dieu est donnée par la responsabilité que Dieu veut mettre sur ta vie. Dieu va te parler sur certaines choses de ta vie au fur et à mesure que tu restes fidèle à lui, que tu restes sincère à lui, malgré que tout le monde te critique autour de toi, malgré que tout le monde te rejette autour de toi, malgré que tout le monde pense que, voilà, malgré que quoi qu'il se passe dans ta vie, tu as l'impression d'être un échec. Vaut mieux que ta vie soit un échec au début et succès à la fin que succès au début, échec à la fin. Waouh, on finit. Je ne vais pas pouvoir. La parole de Dieu produit la victoire sur le péché. Psaume 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. On termine. Si la parole de Dieu, qui lit la Bible ici ? Maintenant, qui a des problèmes pour lire la Bible ? Qui a des problèmes ? Soit, arrête de me dire, moi je lis tous les jours. Qui a des problèmes pour lire la Bible ? Amen. Ce n'est pas un problème. Hein ? L'Esprit de Dieu, on va prier ce matin, on va prier vite fait, mais l'Esprit de Dieu, tu sais, la parole de Dieu dit, « Quicken me, O Lord, and I will call upon your name. Attire-moi et je courrai. » Amen. Où nous courons. Ça veut dire que, je ne te dis pas que tu dois faire d'efforts pour lire la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ton cœur. Ce n'est pas que tu manques de l'amour pour Dieu. Ce n'est pas que tu manques de l'amour pour Dieu. Est-ce que tout le monde comprend ? Dans ton cœur, dans ta vie, il y a quelque chose qui doit se passer. Qu'à chaque fois, comme si tu sens addict avec la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui se passe dans toi parce que l'Esprit de Dieu te pousse pour crier « Abba Père ». L'Esprit de Dieu te pousse pour chercher Dieu dans sa parole. Et quand la vie va dire, le psaume 119 va dire, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que l'Esprit de Dieu va essayer de t'attirer vers cette parole. Et quand tu le sens, vas-y. Au début, quand tu te sens d'aligner la Bible, vas-y. Quand tu te sens, j'ai besoin de lire là, vas-y. Est-ce que tout le monde comprend ? Et à un moment donné, ça va devenir un automatisme dans toi. Tu vas sentir qu'au-dedans de toi, tu n'arrives pas à rester sans lire la Bible. Tu n'arrives pas à rester sans lire la parole de Dieu. Tu as besoin d'une parole. Et cette parole, et bien sûr, elle reste un logos pour l'instant. Mais de moment, cette logos va devenir réma. Va commencer à devenir réma. Tu vas t'entendre. Des fois, tu vas marcher quelque part et tu entends, qui c'est ça ? Qui entend une verset de la Bible résonner dans ton esprit, dans ton cœur. Qui sait ce que je suis en train de dire ? Tu entends cette parole résonner. Dieu veut te parler. Dieu veut faire cette parole devenir vivant pour chacun de nous. Amen. Et toute la parole dans Éphésiens 5, le verset 25 à 27.
Peut-être je ferai 3. De Éphésiens 5, versets 25 à 27, révèle une seule personne, Jésus-Christ. Tu sais, si tu veux réussir dans ta vie, le but de Dieu pour toute l'humanité, c'est qu'on soit conforme à l'image de Jésus-Christ. Ce que Dieu veut essayer de faire à travers de ta vie, c'est démontrer la personne de Jésus-Christ. En d'autres mots, comme on dit, de petit Jésus, c'est toi. Parce que tu formes partie de son corps. Et là où tu marches, la parole de Dieu marche. Là où tu vas, la parole de Dieu va. En d'autres mots, au fur et à mesure, tu reflètes l'image de Jésus-Christ. Maintenant, si autour de toi, tu ne reflètes pas l'image de Jésus-Christ, pose-toi des questions. Ne te condamne pas, pose-toi des questions. Si des gens autour de toi, tu sens que... Parce que là où Jésus va aller, sans blesser personne, il va toucher quelqu'un. Il y a quelque chose qui sort de toi. Quand les gens te voient, ils voient comme un amour qui coule. Il y a quelque chose de glorieux qui coule. Il y a quelque chose dans toi. Des fois, des gens peuvent te dire, il y a un truc bizarre dans toi. Il y a quelque chose qui, pas bizarre, il y a quelque chose dans toi, c'est différent des autres. C'est la gloire de l'Éternel qui repose sur ta vie. Qui peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ ce matin. On va terminer. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. On va juste prier. S'il y a quelque chose qui ne va pas, quelqu'un qui veut venir... Marie, tu peux venir vite fait. Seigneur Jésus, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, on va prier. Seigneur, je te prie ce matin. Saint-Esprit, de toucher quelqu'un ce matin. Par ton onction, par ta puissance et par ta parole. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un ce matin? À qui tu as parlé ce matin? Est-ce que cette parole vous a fait du bien? Seigneur Jésus, ta parole pénètre là où qu'un scalpel peut pénétrer, Seigneur. Et à l'instant, je pense à Werner aussi, Père. Ta parole pénètre là où qu'un scalpel peut pénétrer, Dieu. Aucun scalpel. Ta parole qui demeure en nous. Donne la vie à notre corps mortel. Je prie que quelqu'un soit touché par ta parole ce matin. Je prie pour la guérison au nom de Jésus-Christ, dans ton corps, dans tes os. Je prie ce matin contre la dépression, l'oppression, l'angoisse, l'anxiété. Je prie contre toute attaque de l'ennemi contre ton âme, contre tes pensées. Que tout ce qui mérite l'approbation de Dieu soit l'objet de tes pensées. Je prie que tes pensées ne soient pas un terrain de jeu pour l'ennemi. Mais que tes pensées puissent être la pensée qui vient de Dieu. Je prie que tu deviennes des témoignages pour la personne de Jésus-Christ. Je prie que les obstacles qui sont sur ta vie, à travers la parole de Dieu, tu brises le roc. À travers la parole de Dieu, tu triomphes. Je prie que la foi soit semée dans ton cœur. Oh, je prie que la foi soit sémée dans ton cœur pour affronter tous les plans de l'ennemi, pour affronter toute la peur de ton âme et pour gagner la bataille, pour gagner la guerre. Je prie ce matin que ta vie soit transformée de gloire en gloire avec Jésus-Christ. Je prie que rien ne t'arrête. Je prie que rien ne t'arrête. Je prie que la force soit renouvelée dans tout ton être. Je prie ce matin au nom de Jésus-Christ contre la maladie, contre le cancer, contre le diabète, contre le cholestérol, contre l'hypertension, contre le sida, contre les maladies incurables. Au nom de Jésus-Christ, Satan, il est écrit. Oh,
Rabassa balabassa. Oh la bassa brokete lesso brote che riabassi. Oh le braba bassi li besso. Par Seigneur Jésus, je suis guéri. Par Seigneur Jésus, je suis guéri. Il y a un réma qui coule ce matin. Il y a un réma qui coule ce matin. Par Seigneur Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes genoux sont libérés. Au nom de Jésus. Ton intestin libéré. Au nom de Jésus. L'oppression part ce matin. Au nom de Jésus. Ton dos soit guéri au nom de Jésus. Oh, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Je prie que tu excelles. Parce qu'on l'a fini. Gloire à Jésus parce qu'il est grand. Amen. 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 Alléluia. 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 Oh, il y a une onction qui coule ce matin. Je dois m'arrêter. Mais il y a une onction qui coule ce matin. Il y a une onction qui coule ce matin. Il y a une onction qui coule ce matin. Il y a une onction qui coule ce matin. Il y a une onction qui coule ce matin. Oh, je vais demander seulement à quelqu'un de recevoir. Reçois ce matin. Qui veut recevoir ce matin? Qui veut recevoir ce matin? Mandara katabaso. Je prie qu'on te... Oh, toute forme d'inflammation dans ton corps. D'inflammation dans les os. D'inflammation dans les os. Elle est maintenant. Quand tu dis à Satan, tu dois partir parce que Jésus-Christ a triomphé du monde. Jésus-Christ a triomphé du monde. C'est ça la foi. Jésus-Christ a triomphé. Ok. Ça va, vous avez apprécié le culte? Ok, ben on va vous donner une occasion de revivre ça. Alors, on va faire les annonces pour les événements à venir. Alors, surtout pour la semaine à venir. Donc, sachez qu'on se réunit tous les mardis soirs. Donc, les mardis soirs, donc, nous avons une réunion de prière à 18h45, suivie d'une réunion à 20h, durant laquelle il y a un enseignement ou une prédication. Donc ce n'est pas dans ce lieu ici, c'est dans donc, notre salle principale qui est à l'adresse 1 boulevard Guinemer, escalier de Lannoy à Beausoleil. Et donc il y a également la retransmission sur notre chaîne YouTube, mais le mieux c'est d'être en présentiel. Amen. Ensuite, donc, nous aurons une réunion également. Alors est-ce que c'est possible d'afficher juste le pour le jeudi? Comme ça on fait dans l'ordre. Donc nous aurons également une réunion donc ce jeudi à Menton. Ce sera la dernière réunion de l'été à Menton. En août, on va arrêter les réunions et on reprendra ensuite en septembre. Mais donc ce jeudi, dernière réunion à Menton. Donc c'est dans l'adresse est 31 avenue Carnot. C'est en face du casino. Et donc ce sera à 20h. Voilà, jeudi soir à 20h.
Ensuite, donc, vendredi, ce vendredi, on aura une réunion de jeunes. Donc, ce sera pas une. En fait, c'est un rassemblement de jeunes, donc avec d'autres églises. On a eu un rassemblement hier avec d'autres églises, et là, on va en avoir trois de suite. Donc, en particulier, donc ce. Alors, non, c'est pas vendredi. Peut-être, je me suis trompé dans l'annonce. C'est samedi. C'est samedi. Donc, il y aura une sortie à Acrobranche à 14h. Pour ceux qui sont intéressés, dites-le-moi, parce qu'il faut qu'on s'inscrive avant pour avoir des tarifs de groupe. Donc, le dernier délai pour pouvoir s'inscrire, c'est mercredi. Donc, voilà, envoyez-moi un message pour me dire. Ce sera 15 euros, en fait, la sortie Acrobranche. Et ensuite, donc, il y a la réunion à 20h. Et ce sera à l'église de Grasse. Ensuite, donc vendredi, ce vendredi, il y a la montagne de prière à 20h sur le thème de la Samaritaine. Et donc, ce sera dans notre salle également au boulevard Guynemer. Ensuite, dimanche 24 juillet, donc c'est dimanche qui vient, on aura de nouveau un culte ici dans ce lieu et ce sera de nouveau un culte unique à 10h. Et autre événement à venir, on a une sortie Aquasplash prévue. Donc c'est pas ce samedi, c'est le samedi suivant, ce sera le samedi 30. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, donc il y a un nombre de places limitées, donc c'est important de vous inscrire au plus vite. Donc pour vous inscrire, vous pouvez le faire, ou si vous voulez également demander des informations, auprès de Michael. Et vous avez donc son numéro qui s'affiche, le 06 88 86 25 09. En sachant qu'il y a des avantages pour ceux qui sont membres de l'association Impact France Riviera. Voilà, je pense qu'on a dû faire le tour des annonces. Voilà, on a fait le tour des annonces. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît ? On va prier une dernière fois avant de nous séparer. Voilà, Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce culte, pour cette matinée durant laquelle tu nous as bénis. Seigneur, je te remercie pour chaque personne présente ici. Je te remercie pour chaque personne qui nous suit. Je veux vraiment proclamer une bénédiction aussi sur eux, sur toutes les personnes qui ne peuvent pas se joindre à nous physiquement. Merci, Seigneur, parce que tu veux les bénir aussi là où ils se trouvent. Et je proclame réellement que tu viens et tu les touches là où ils se trouvent. Tu viens répondre à leurs besoins. Alléluia, Seigneur, on te prie pour les réunions de la semaine à venir. Merci, Seigneur, de l'opportunité que tu nous donnes de nous réunir. Et on croit que tu as également des bénédictions pour chacune de ces réunions. Viens te manifester avec puissance. Sois béni, Seigneur. Amen. Voilà, bon dimanche à chacun.